Vous arriviez sur une barbacane, un pont-levis qu'on a retrouvé, et on est là actuellement. Ce château a été construit pour défendre la Bretagne vis-à-vis du Poitou. Donc il a été construit en 1235 par Pierre de Dreux, duc de Bretagne. Le château était rectangulaire et défensif, c'est-à-dire que quand on défendait, si on était attaqué, le château, on mettait les canons sur les boulevards et on se défendait sur les boulevards. Venez, 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 venez là! Le château de Machecoul est le fief principal de Gilles de Rais. Donc Gilles de Rais a vécu pendant 10 ans de sa jeunesse ici. Alors ici, on est dans les casemates. C'est-à-dire l'endroit où on défendait le château. Vous voyez que vous avez des canonnières. Alors aujourd'hui, ce château, son site est protégé. Il est en cours de sauvegarde, de réhabilitation. On s'y emploie tous les deux à faire des travaux, à expliquer ce qu'a été le château de Machecoul pour le pays de Rennes.